Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Bon, c'est Tiens Daniel et aujourd'hui on va parler de la gamme blues. La gamme blues qui est très importante dans l'improvisation en général. On l'utilise presque partout, presque dans tous les rythmes. Le jazz, le blues, les rythmes comme la bossa, les rythmes latins et tout ça. Donc en fait, vous comprenez que la gamme blues est très utile. Donc bon, la gamme blues est composée de 6 notes qui sont bon, nous allons utiliser la gamme blues de do, do, ré dièse, fa, fa dièse, sol, la dièse, et on recommence. Donc c'est ça la gamme blues. Bon, on a un doigté à respecter, la position de mes doigts. La 1, la première note, c'est le pouce. La deuxième, l'index. La troisième, le majeur. La quatrième, l'annulaire. La cinquième, le pouce. Et la sixième, l'index. En montagne, en descendant, n'importe comment, c'est l'avantage du doigté. Voilà, bon, nous allons d'abord maintenant commencer par une basse qui va nous aider. Do mineur, nous avons Do mineur là, on diminue d'un demi-ton. À chaque fois, un demi-ton, Do mineur, un demi-ton, un demi-ton et un demi-ton. Donc, commencer par jouer les notes de cette manière. Un canevas
pas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime, n'oubliez pas ça et activez la cloche de notification, s'il vous plaît. Et soyez toujours au courant, ça vous permettra d'être toujours au courant des vidéos postées.